Mark Cutting est un ancien membre d'un groupe de rap, très populaire dans les années 90. Le groupe PTO. Mais Mark Cutting, insatisfait, finira par abandonner cette voie, pour devenir chrétien, propriétaire de fast-food, et prédicateur de l'évangile. J'ai fait des choses, que j'ai honte de partager. Que ce soit pour une bagarre en boîte de nuit, pour une fusillade, pour des coups de poing. C'était bon. J'avais un groupe de potes. Nous voulions être rappeurs. Notre nom PTO était lié au poids de la drogue. Poun, kilo, once. Le désir de réussir était à un niveau tellement élevé que j'allais vendre mon âme pour arriver au sommet. Nous nous sommes retrouvés dans des tas de situations qui font frémir. Ce n'était rien pour moi d'avoir 10 à 15 000 dollars dans ma poche. C'était devenu plus que simplement du rap. C'était devenu de la drogue. Quand nous sommes arrivés à cette situation, les choses ont décollé. Nous avons commencé à gagner beaucoup d'argent. Porsche, Benz, grosse chaîne collier. Cela coûte beaucoup d'argent. Bagues en diamant, montres, maisons. Nous avons commencé à acquérir de très populaires boîtes de nuit. À cette époque, je pensais que c'était ça, que c'est ça la vie. Avoir des voitures, des femmes, des bijoux. On avait du bon temps. C'était comme s'il n'y avait que des fêtes. Et traîner avec les copains, c'était tout ce qu'il y avait de bien. Mais quand j'étais dans mon lit allongé, c'était moi et ma conscience. Et ma conscience me disait, non ce n'est pas ça. Et moi je me disais, je vais encore m'acheter quelque chose d'autre. Je m'achète une Porsche, je suis tout excité pendant une semaine. Mais la voix ne me laissait pas en paix. Comme quelqu'un qui n'est pas normal. Il y avait un problème. La pensée de ne pas être satisfait ne m'abandonnait pas. Quand je regarde en arrière et pense à cela, il y avait une faim dans mon cœur que ces choses ne pouvaient pas combler. J'avais des sentiments pour une fille, et donc j'ai suivi cette fille à l'église. Je suis donc allé à l'église. Et le prédicateur a commencé à prêcher, qu'à moins d'avoir le Christ, j'allais être condamné à l'enfer. La Bible dit, « Repentez-vous et croyez en l'évangile. » J'ai été très bouleversé par ce message. Moi, je vais aller en enfer? De quoi ce prédicateur parle-t-il? Parce que j'ai grandi à l'église. Dimanche après dimanche, tu prends une Bible, tu es bien habillé. Je pensais que c'était ça, être chrétien. Tu mets les offrandes dans la corbeille. Cette fois, j'étais là, et le Seigneur m'a permis de voir ma vraie condition. Et ma vraie condition est que je n'étais pas correct devant Dieu. C'était effrayant. C'était vraiment effrayant de penser que j'allais être éloigné de mon Créateur. À ce moment particulier, j'ai commencé à crier au Seigneur. Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, aide-moi. Et la chose glorieuse était que Dieu a fait juste cela. Il m'a réveillé, il m'a ouvert les yeux. Dieu m'a donné une nouvelle vie. Ça vous émeut jusqu'aux larmes de savoir la perdition dans laquelle une personne passe dans la vie. Et Dieu doit les amener à ce moment de repentance. Cela te donne des larmes de savoir que les gens sont aveugles, comme je l'étais. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie se trouve en Christ. Il a dit, « Le Fils est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs. » C'est cela la bonne nouvelle.